la Turquie vous évoque? Les mosquées. Les danseurs qui tournent. Et comment vous appelez ça? Je sais pas. C'est comme chapeau rouge là. Ouais, ouais. Et ils tournent comme des fous. Ouais, je sais pas. Les derviches tourneurs. Ah d'accord. Moi pas grand chose. Et vous? La mer Noire et Istanbul. La Turquie, je pense que c'est un pays. Il y a des mosquées, tout ce que je sais, il y a des mosquées, des grandes mosquées. La majorité, c'est un peuple islamique. Et voilà. Aucune idée, je suis jamais allée. Non, moi non plus, je suis jamais allée. Le soleil, la plage, les Turcs. La bonne bouffe. La bonne bouffe. Je sais pas, pour moi, les vacances, hein. Et vous? Là, pour moi aussi, pareil, hein, les vacances, parce que j'ai été à Bodrum. J'ai fait aussi Antalya. Ouais. Et bon, bah, il y a des très beaux hôtels. Hein. Donc voilà, en gros, ça m'évoque les vacances. Ankara, Istanbul, et je connais Ankara, et voilà. Et musulmans? Oui, ça me... Je connais un peu la Turquie, le Bosphore que je connais, voilà, d'après l'histoire. D'accord. C'est ce que je maîtrise un peu avec certaines villes. Vous pouvez en citer? Ouais, Istanbul, Ankara, et ouais, que je connais bien à cause du foot. D'accord. Est-ce que vous connaissez la capitale de la Turquie? Si. C'est pas Sofia? Non. Non. Et vous? Je suis une dope en géographie. Ankara. Je vais dire la même chose. Istanbul. Bonne réponse. C'est quoi? C'est Ankara. Ok, ah merde, pardon. Istanbul, qui était Constantinople avant. On fait ça, on connaît. Mais Istanbul, c'est pas la capitale de la Turquie. Ah ouais? C'est quoi? Non, vous connaissez pas d'autres villes? Non, franchement, je connais pas. Istanbul. Non. Et vous? C'est pas mal, Istanbul. Istanbul. Et vous direz? Bah pareil. Non. Et? Ankara. Pas du tout, non. Non? Non, pas du tout. C'est Ankara. Est-ce que vous pouvez situer géographiquement la Turquie? Ah oui. Moyen-Orient. Voilà. Elle est copine avec l'Égypte. Ouais. Et le Maroc? Non. Non, l'Algérie. Non. Non. Elle est copine avec l'Égypte. Non. Fâche. Attends. C'est à côté de... C'est en Europe, voilà. Et c'est en Asie. Parce qu'il y a deux parties. Et ça touche, c'est vers la Grèce. Et ça touche... Moi, je vois aller où? Mais là. Je sais qu'elle est vers l'est de la France, mais alors là... Quoi? Enfin, oui. Non, oui, c'est à l'est de la France, mais... Vers la Bulgarie. Vers la Bulgarie, c'est exactement ça. La Tunisie, c'est la copine de la Turquie. Vous le situez dans le Maghreb? Non, elle est à côté, elle est encore à côté. Le Maghreb, là, t'as l'Afrique, t'as les trois, et puis c'est au-dessus. C'est quel continent, alors? Bah, puisqu'ils veulent rentrer dans l'Union Européenne. Ils font la demande justement pour rentrer dans l'Union Européenne, c'est qu'ils sont plus proches de vers nous. Donc c'est quel continent? Bah, continent. Par contre, oui, c'est le continent de l'Afrique quand même. C'est moyen. Mais ils sont à la limite des deux. Non. L'Italie, elle est là, comme ça, tac. Là, il y a un autre pays, je sais plus c'est quoi. Non mais déjà, il y a une partie en Asie et l'autre partie en Europe. En Asie mineure. Ouais, c'est ça, je crois. Aucune idée. Non, pas du tout. Franchement, je sais pas. C'est asiatique. Après, je sais pas, c'est à côté de... D'où? C'est à l'est de la mer Méditerranée. D'accord. Le continent, c'est Afrique. Ouais, c'est chelou. Je sais plus si ça appartient à l'Europe maintenant. Ouais. Non, ça appartient encore à l'Union Européenne. Ouais, mais ça appartient à l'Europe alors. La Turquie? Ouais. Oh, la honte, je suis parti, je sais même pas le situer. C'est la mer.
C'est la mer Rouge, non, qui... Non. C'est quelle mer déjà? C'est quel océan qui est sur la Turquie? Oh, non, je sais pas. Je saurais pas le situer, j'ai oublié. Elle se trouve... je la vois, mais... ouais, dans l'Europe, mais bon, non, pas trop, non. Ouais, c'est... entre l'Orient et l'Europe. En fait, il y a une petite partie en Europe et la grande partie, c'est au niveau de l'Asie. Et, c'est ça. Quelle langue on parle en Turquie? Bah, le turc. Bah, le turc. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Hein? Non. Turc. Ouais. Vous êtes sûr? A priori, oui. L'arabe. Vous êtes sûr? Non. Maintenant, non. Non, mais je sais que Algérie, Maroc, ils ont des mots en commun, mais pas tous. Déjà. Là, le turc, c'est différent. C'est pas le. Je sais. Sur leur propre langue. Non, non, ils parlent turc. Le turc, hein? Vous auriez dit pareil? Bah ouais, pareil, hein, le turc. Non. Vous êtes sûr? Non. Non, non. Non. Le turc? Vous êtes sûr? Le turc et puis l'anglais, ouais. Avec l'arabe des fois, ouais. Est-ce que vous connaissez le président de la Turquie? Ouais, mais je vais... J'ai un nom, mais j'ai pas envie de dire de conneries. C'est quoi comme nom? Je sais pas, j'ai Islamabad dans la tête. Non, vraiment non. Pas du tout. Alors là, des politiques, il faudrait qu'on lise le journal le matin. Mais... pas du tout. Sauf celui-là de France. C'est n'importe quoi. Non. Je dirais... C'est pas Recep Tayyip Erdogan qui est le Premier ministre. Si, c'est ça. C'est le Premier ministre. Oui, et le président, c'est pas Abdullah Gül. Très bonne réponse. Est-ce que vous connaissez des équipes de foot turques? Bah, laissez monsieur répondre. Foot encore moins. Non mais je regarde, je n'aime pas le foot déjà pour commencer, et je regarde pas le foot. Je connais pas du tout, je suis désolé, je connais rien. Galatasaray. Dis Galatasaray. Prêt? Galatasaray. Galatasaray. Ouais. Et vous? Absolument pas dans le foot. Absolument pas dedans. Galatasaray. Ouais. Ah, ils ont fait mal au Real Madrid, c'est tout ce que je sais. Ah, on a eu chaud, vu que moi je suis supporter du Real. Mais voilà. Alors le foot, vous m'aurez parlé de voler, ok, mais alors le foot... Non, rien. Non. Ah, ça je savais. Non, pas le Galatasaray ici. Si, c'est ça, hein. Le Galatasaray. Ah, oui. La Ligue des Champions. Ouais, c'est bon. Galatasaray. Ouais. Galatasaray, Mervin, Mersin... Yo 8 ou Fenerbahçe, ouais, c'est, ouais. Le Galatasaray à Istanbul. Le drapeau turc, il ressemble à quoi? Ouais, un drapeau rouge et, ouais, une croix, je pense, une croix et la lune, je pense, ou ouais. Un truc comme ça. C'est une étoile et une lune. Étoile et lune, ouais, effectivement. Il y a du jaune, du rouge, je crois, non? Il est rouge. Je crois qu'il y a une étoile, au moins un croissant peut-être. Rouge et blanc. Rouge et blanc, c'est pas avec le croissant. Et les petites étoiles là, non? C'est pas ça? Ah si, oui. Ouais, il est rouge avec un croissant blanc. Et je crois qu'il y a une étoile, non? Une étoile, oui. Voilà, blanc, voilà. Je pense que si je le voyais, je pourrais le situer, ouais. Mais il y a du vert dedans, non? Je vois rouge et blanc, il doit y avoir une petite étoile, un petit croissant qui traîne, un truc comme ça. Est-ce que vous connaissez un chanteur, un acteur, artiste turc? Ah, j'ai vu un petit documentaire sur un réalisateur turc. Golem ou Goy? Ah, j'ai oublié. Ah non, c'est... Et les chanteurs, non, il n'y a personne. Julio Iglesias. Je vais dire Julio Iglesias. Allez, je valide. Moi,
Ouais, j'en connais, mais pas de nom. Des acteurs comme ça, j'ai pas de nom. Et des chanteurs? Idem. J'en connais, mais j'ai pas de nom. Tarkan, non? Ah bah oui, bah. Non mais tu vois, j'ai pas de nom. C'est pas... Genre quand tu veux... C'est ça, c'est les bisous, là. Non mais moi, je connais, mais j'ai pas le nom en tête. Non, franchement, non. Non. Damien, il est quoi? Moi, j'ai des amis turcs. Voilà. Il est pas turc. Vous avez dit Dali Briand. Il est pas turc. Il est tunisien. Ah, celui qui chante... Tarkan. Ah ouais. Et comment? Je vais pas chanter. Tarkan, il fait chanter, il fait quoi? C'est quoi la chanson? Il fait... C'est ça, non? Non, je connais un écrivain, mais son nom m'échappe. Comment ça s'appelle? Orhan Pamuk? Oui, voilà, c'est ça. Waouh, non! Non? Non. Des chanteurs, non? Non, pas d'artistique, ouais. Teşekkür, Aradelem. Mais entre potes, on est plutôt Çok Teşekkür.